Dans Témajuria, il y a un mec, il a fait à la fois la basse et la guitare. Parce qu'à un moment donné, dans Témajuria, il y a eu deux guitares. On en a toujours eu un, et c'est lui, et il y a lui aussi. Voilà. À un moment donné, on a eu deux guitares sur un concert. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, le mec, il a fait partie du groupe pendant quelques temps. Il a pu signer des arrangements de certains morceaux qui sont sur l'album, etc. Il s'appelle Chris, je fais une ovation pour Chris. Bon, si vous trouvez qu'il a vieilli, on est tous en cas. Vas-y, Chris, ça fait. Et puis, il y a mon mammouth préféré. Il y a Laurent. Voilà, Laurent. Laurent est arrivé par une capsule spatiale directement de la préhistoire. C'est pas faux. C'est pas faux. Il faisait partie de Spleen, pour ceux qui s'en souviennent d'ailleurs. Et Laurent, il faut que tu saches que en triant mon truc où je range tous les CD, j'ai retrouvé 5 CD de Spleen. 5. 5 fois le même. 5 fois le même. Mais c'est pas vous. Donc ça veut dire que, je vous emballez pas tout de suite, mais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est on aura une espèce de merchandising un peu spécial. Vous donnez ce que vous voulez, mais on aura des trucs à vendre, des Magiria, de Spleen, des autres groupes. Et vous mettez ce que vous voulez, mais c'est pas tout de suite, parce que sinon, tout le monde va pas pouvoir suivre le concert de la même manière. Donc, hein, oui, c'est pas faux. On a rien de fake ? Non, on a rien de fake. Même toi, t'en as le fake. Donc. Alors, la corde raide. Voilà. En fait, ça parle de la violence conjugale. Vous voyez les mecs qui tapent sur leur bonne femme. Elle aussi, elle est sur. Je souffre d'ardiaque, j'ai assez de cordes. Dans mon ventre, je les tripe et se tient. Sans toi, le bon sens est mis de pour le moment est trop I'm
phrase. Donc, yes, ici. Hein? Ah, t'es déjà là, toi? Ok. Voilà. Alors, comme ça va changer tout le temps, il va falloir que je raconte des conneries. Alors, c'était un 25 décembre. J'étais perdu. Ouais, c'est bon, s'en fout. La suivante, on va accueillir quand même un type qui est resté très très longtemps dans des majorités et qui a quand même pas mal marqué les esprits.